Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode des Zéro Vector. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser parce que j'avais prévu un épisode sur Bang comme je vous l'avais dit la dernière fois et ayant fait un petit peu le sac avec mes fichiers, j'ai compressé sur un autre fichier l'émission que j'avais faite et donc je ne peux plus retrouver mes éléments, c'est très pratique. Bien joué Vincent. Bon, toujours est-il que je vais vous proposer ce Zéro Vector numéro 6 qui aura pour thématique, eh bien vous l'avez vu, l'exécution, puisque c'est vraiment le cas de cette session que j'ai fait contre Molf. Alors on va évidemment pouvoir discuter un petit peu de la pression psychologique qu'on subit quand on est vraiment pas au niveau de son adversaire. Vous allez voir que c'est vraiment le cas sur cette série de matchs. En tout cas, il y a 5 matchs, donc ça va aller relativement vite. Et vous allez voir que dans cette session, bien, Molf m'a mis 4 perfects, je crois. Et j'ai remporté sur les 5 matchs un seul round. Donc c'est vraiment terrible. Et donc on va pouvoir discuter un petit peu des solutions qu'on peut apporter lorsqu'on est confronté à un adversaire qui est beaucoup plus fort que vous. Et vous allez voir que la pression psychologique quand on subit eh bien, tout simplement un match qu'on ne maîtrise pas est très très importante. Alors évidemment le premier défaut qu'on va voir c'est notamment le manque de défense en Mythi. Et ça c'est absolument terrible, c'est vraiment le défaut assez incroyable que j'ai. Et je suppose que je suis pas le seul à l'avoir. Quand on craque un petit peu psychologiquement, vous allez voir qu'il y a des wheels qui vont être faits en Mythi ou des choses comme ça que je me prends de façon absolument horrible. Alors bon, il faut savoir que quand même le match-up n'est pas très simple pour Arakuné contre... contre Lambda, il n'a jamais été très simple d'ailleurs, et vous allez voir qu'il y a quelques petites phases aussi qui sont très intéressantes au niveau de la défense et de la peur que l'adversaire peut instaurer lorsque vous ne maîtrisez pas du tout l'issue du match. Alors là, bon, on a une Shop Violette qui est passée, ça c'est pas très grave, ça arrive online, même si offline c'est beaucoup moins fréquent. Alors évidemment Lambda, ça va être un personnage qui a tous les moyens de punir Arakuné dans les airs et c'est pour ça que poser des zéro vecteurs quand vous sautez se révèle très très dangereux. Et en plus Molf eh bien, trouve toutes les solutions pour me faire payer les sauts les plus imprudents avec cette fois-ci la disto et vous voyez premier perfect qui est trouvé pour Molf. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une situation comme ça? Bah, c'est surtout essayer de bloquer le plus possible et pas jouer le héros comme dirait un célèbre joueur de BlazBlue. C'est vrai qu'il faut vraiment essayer de jouer le plus safe possible lorsque vous êtes on va dire dans ce type de match-up. Vous allez le voir hein, plusieurs fois j'ai essayé de lancer des trucs en relevé ou des choses comme ça, je vous le disais. Et ça ne réussit pas du tout dans BlazBlue de vouloir taper à la relevé alors que vous êtes en position défavorable. Alors là évidemment la mauvaise gestion des spikes me fait encore bourriner le gold burst qui est passé et là on va encore terminer sur une disto je pense, voilà, qui va me faire double perfect sur le premier match. Vous avez vu, c'est absolument terrible hein. Quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, c'est juste l'exécution comme le nom de l'émission l'indique. Alors la deuxième chose, c'est qu'il faut également prendre son temps. Vous avez un timer dans BlazBlue qui est relativement confortable et il ne faut pas vraiment, pas craquer psychologiquement sur le rush. Parce que c'est vrai que quand on est en retard à l'énergie, on a envie vraiment de revenir le plus rapidement possible dans la partie. Mais au contraire, il faut réussir à tempérer un petit peu ses ardeurs et à lancer des mix-up ou des phases qui peuvent s'avérer les plus positives pour la suite du match. Et surtout, ne pas foncer tête baissée sur l'adversaire. Alors c'est vrai que dans ce genre de situation, on a tendance un petit peu à perdre son calme. On ne sait pas trop comment faire, mais vous avez largement le temps dans un round pour remporter la victoire même si vous partez très mal. Alors évidemment là on assiste à la troisième sanctification de suite que je vais prendre. Et vous voyez, bon, Molf de toute façon il connaît très très bien les setups d'Arakuné. C'est ça qui est terrible, c'est que je le surprends absolument jamais. Et c'est ça qui pose vraiment énormément de problèmes et notamment sur tous les joueurs de très bonne qualité sur BlazBlue, c'est qu'il est très difficile de les surprendre. Et vous vous rendrez compte que je n'ai absolument pas maudit mon adversaire durant ces 3 rounds. Donc on est au 3ème perfect d'affilée. Personnellement je n'avais jamais vu ça encore sur le jeu. Mais comme quoi il faut un début à tout.
Et là, vous voyez que Molf, eh bien, il garde énormément son calme avec sa lambda. Il n'y a absolument aucun souci. C'est plutôt moi qui viens chercher un petit peu les dégâts, mais de manière pas safe du tout. Et là, on a l'exemple parfait, bah, voilà, d'un joueur qui craque psychologiquement. Vous voyez que j'avais bursté alors que ça n'a servi quasiment à rien. Et on perd toutes ces techniques, hein, quand on est sous pression comme ça. Je sais que c'est pas facile, mais ça arrive à tout le monde. Alors voyez, le burst encore qui est complètement hors de propos ici. Et ça aussi, c'est un conseil que je pourrais vous donner, c'est surtout ne craquez pas vos bursts n'importe comment. Parce que même de mon côté, hein, mes bursts passent très souvent, mais dans ce genre de situation, il est très facile de me faire craquer. Et du coup, eh bien, je balance des bursts qui n'ont absolument aucun sens. Et comme le burst est un élément très très important de BlazBlue, eh bien, il est absolument nécessaire et vital même de savoir s'en servir et de le sortir au moment les plus appropriés. C'est pour ça aussi que la connaissance du match-up est vraiment, vraiment très, très importante dans ce jeu. Peut-être encore plus que dans les autres jeux de baston, parce que il faut connaître les block strings des adversaires qu'on affronte. Alors que là, nous allons passer au troisième match. Et donc, forcément, vu que les matchs s'enchaînent, on a quand même un petit peu plus d'armes au fur et à mesure pour s'en sortir. Vous verrez que ça va légèrement mieux, on va dire, dans les derniers matchs. Et que là, je commence déjà, voilà, à prendre un petit peu plus mon temps. Lambda qui a très bien vu l'overhead que je voulais lui lancer. Alors le problème aussi avec Lambda, c'est qu'elle a beaucoup de moyens de vous faire péter les gardes primer. Et ça fait assez peur dans le match-up. Alors que je n'ai toujours pas maudit mon adversaire, alors qu'on est quand même au cinquième round de cette rencontre. Et vous voyez que là, ça se passe toujours aussi mal. Mais bon, il faut trouver certaines phases, certaines ouvertures. Vous voyez que voilà, il faut prendre son temps. On sait qu'on ne peut pas avancer contre Lambda, donc il faut essayer de safeiser au maximum son jeu. Sinon, eh bien, c'est la punition directe. Là, vous l'avez vu, avec des téléports pour essayer de faire tourner la tête. Hein. Vous voyez, on essaie de trouver des solutions, même si c'est très compliqué. Et là, encore un craquage mental. Hein. Je vois que le 2A ne passe pas, mais je lance quand même le 2C. Ce qui n'a absolument aucun sens. Mais bon, je trouve que c'est intéressant quand même de vous montrer ces matchs pour un petit peu illustrer mes propos et le craquage psychologique qu'on peut subir. Alors je me rappelle très bien également dans cette série de matchs avoir effectué un burst en l'air qui n'avait absolument aucun sens. Et pour l'instant, eh bien, c'est compliqué. Et vous voyez que voilà, au niveau des mix-up, c'est très mauvais ce que je fais. Tout simplement parce que je ne trouve pas l'opportunité, eh bien, de m'en sortir. Enfin, je ne sais pas comment faire craquer l'adversaire, en fait. Il y a un gros doute qui s'installe quand vous êtes dans ce genre de situation. Et c'est aussi une vidéo pour vous dire qu'il faut vraiment pas uniquement se baser sur des matchs comme ça. On a tous pris des sévères punitions quand on a joué au jeu. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Alors que là, voilà, pareil, hein, le 2D qui ne sert absolument à rien. On s'est tous pris des grosses punitions sur le jeu. Et il faut quand même persévérer, hein, c'est pas une raison pour arrêter. Voilà, le burst en l'air dont je vous parlais. Et ça, c'est vraiment l'horreur, hein. Même moi, je serais prêt à gueuler là-dessus. Tellement c'était horrible. Et donc, comme je vous le disais, ouais, il faut pas s'arrêter là-dessus. Sur les sessions qui se sont très très mal passées, on tombe toujours sur des adversaires qui sont très très forts. Et notamment sur BlazBlue, puisque évidemment, comme il n'y a plus beaucoup de joueurs sur le jeu, ceux qui sont restés dessus sont quand même des joueurs qui ont fait un certain chemin dessus. Et qui sont tout à fait capables de vous faire manger vos dents. Alors qu'on va attaquer le troisième match. Et c'est vrai que ça peut se comprendre, hein, la frustration dans ce genre de match. Mais il faut penser qu'on on veut s'améliorer, tout simplement. Et que ça passe aussi par ce genre de session où on rencontre de grosses déconvenues, tout simplement. Alors le but du jeu, là, évidemment, c'est de coincer Lambda dans le coin pour pouvoir la maudire. Et malheureusement, pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas, mais bon, on est en début de round. Et je vous le disais, vous voyez, il faut prendre son temps. Là, on est à 80 secondes de jeu restante. Donc, il n'y a absolument aucun souci. On peut prendre son temps et essayer de trouver les ouvertures adéquates. Alors que là,
Bon, j'essaie des mix-up, mais vous voyez, c'est pareil. Hein, quand on craque, c'est les setups sont vraiment n'importe quoi. Et c'est pour ça que BlazBlue est également un jeu qui requiert énormément de rigueur. Alors, on voit quand même Lambda qui a eu un petit peu peur là, elle a lancé sa listo. Mais il faut faire, voilà, il faut faire très attention, il faut être très rigoureux sur son plan de jeu dans BlazBlue. Sinon, c'est la punition qui arrive très très vite. Et bon, moi aussi, hein, ça m'arrive de complètement crucifier des joueurs sur le live qui n'ont pas beaucoup d'heures de jeu. Mais il faut vraiment pas s'arrêter à ce genre de déconvenu. Parce que bah, tout simplement c'est comme ça qu'on s'améliore. Et au moins vous aurez appris des éléments de match-up qui pourront vous resservir dans des confrontations ultérieures. Ça se passe un petit peu quand même, je me prends plus de perfect. Alors je dis ça, je vais prendre sûrement le quatrième qui n'est pas encore venu si je compte bien. Et voilà, on essaye voilà, d'avancer en étant safe. Alors évidemment des fois on se fait prendre, hein, ça il n'y a absolument aucun souci, c'est pour ça que ce genre de session aussi est faite. Le 2 c'est qui passe dans la garde, ça ne veut absolument rien dire. Et voilà, pareil, vous voyez la wheel, là j'aurais pu me protéger en mythi, tout simplement. Mais j'ai craqué et j'ai voulu absolument essayer de taper ou de faire quelque chose du genre. Très mauvaise idée, bien évidemment. Alors contre Lambda, les sauts avec la barrière sont éminemment importants, puisque vous pouvez vous faire récupérer avec un drive à n'importe quel moment. Et donc il faut savoir avancer de manière safe. C'est peut-être ça la chose la plus, on va dire, la plus difficile à faire contre Lambda. C'est avancer de manière safe, puisque vous pouvez vous faire repêcher à n'importe quel moment. Et bon, vous voyez que cette différence de niveau quand même, elle est assez évidente entre Molf et moi-même. Mais bon, vous voyez que les matchs continuent, hein, c'est pas grave, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même si vous perdez, eh bien, vous avez quand même de nombreux éléments à votre disposition que vous pouvez apprendre sur le match-up. Et c'est vraiment ça le plus important. Ne pas se focaliser sur la défaite. Bon, évidemment, il faut savoir aussi perdre. Hein. Ça me semble assez évident. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire un speech sur l'importance de bien prendre ses défaites. Parce qu'on en apprend beaucoup également à des défaites. On en apprend même peut-être plus que des victoires. Parce qu'on voit clairement là où ça a pêché. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce genre d'émission, mais ça c'est plutôt un niveau personnel, c'est que ça me permet de voir très clairement les fautes que je fais lorsque je joue. Et je vous incite à faire de même, à savoir récupérer vos replays et regarder les matchs que vous faites, parce que ça peut vous apprendre énormément de choses sur les principales erreurs que vous faites. Et bien vous voyez que j'ai récupéré quand même un round, comme quoi il y a des miracles qui se passent sur BlazBlue. Mais voilà, n'hésitez pas à vous enregistrer, à garder les replays et à les revoir. C'est très important. Si jamais vous ne comprenez pas pourquoi vous avez perdu lors de certains matchs, eh bien, peut-être que vous aurez un éclairage un petit peu différent en vous revoyant jouer. Ça donne toujours un effet assez bizarre de se revoir jouer. Mais ça peut être très très intéressant dans le cas d'un apprentissage. Et là, je me reprends la wheel amity alors que j'aurais juste eu à bloquer. Et je vais avoir très très mal sur ce combo. Alors évidemment, je tente même plus de teker sur les combos de Molf, puisque je sais qu'il les réussit généralement. Donc bon, ça ne sert à rien de se taper un tech trap ou quelque chose comme ça. Mais bon, vous voyez que ce match quand même est bien plus équilibré que le premier. Comme quoi, voilà, il est toujours très intéressant, et bien, même si vous perdez, de faire plusieurs matchs avec une personne. D'abord pour apprendre le match-up et ensuite pour s'habituer à son style de jeu, tout simplement, parce qu'on a beau jouer les mêmes personnages, et bien les joueurs ont vraiment on va dire des optiques de jeu qui sont clairement différentes. Même si avec Lambda le jeu est un petit peu moins, on va dire, un petit peu moins hétéroclite, c'est un petit peu toujours la même chose, mais ce n'est pas grave. Alors là, la malédiction qui est trouvée, mais bon, là je ne trouve absolument aucune opportunité, hein, vous voyez, quand on bloque comme ça. Et voilà, en plus, je fais une mauvaise manip. Et là, ça n'a aucun sens, ce que je suis en train de faire. Ah, et par contre, le F2G qui est passé.
Est-ce que ça va suffire? Bah non, il faut encore que je trouve l'ouverture. Ah, et par contre, là, c'est le guard crush. Ah bah finalement, j'ai remporté le dernier match, tiens. Je ne m'en rappelais même plus. Donc voici quelques conseils pour vous aider à travailler sur BlazBlue. J'espère que vous en prendrez bonne note. Et pour ceux qui se découragent, eh bien, j'espère que ça vous donnera quand même quelques clés pour pouvoir travailler sur votre personnage et sur les mécaniques globales du jeu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cinquième épisode des Zero Vector. Je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Je ne sais pas encore sur quoi il va être consacré, mais ça va être du multicaractère, ça c'est sûr. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage à tous, et puis à très très bientôt.